Bonjour et bienvenue, je suis l'Antien01 et aujourd'hui nous allons faire un nouvel épisode de Elle est Dangerous. Alors aujourd'hui nous allons tout simplement continuer nos rangs pour le moment. Donc on va changer de système solaire. Et nous allons aller à Ashnar. On va faire quelques missions de rang tranquillement. Donc là je suis je suis dans le système Prime. Pourquoi? Parce que tout simplement j'étais en train de faire j'étais en train de faire une mission communautaire. Parce que vous savez que je fais des missions communautaires, mais je les fais en hors camp parce que ce sont des missions qui sont longues. Et je voulais donc démarrer de là parce que j'avais j'ai une livraison à faire que j'ai dans le soute. Bon, c'est pas grand chose, c'est deux objets que je dois mettre dedans. C'est pas grand chose. Et je vais aussi vous parler d'autres choses. C'est que cette mission, elle est là pendant une semaine. Donc, une semaine, à partir de la semaine prochaine, ça sera la dernière semaine. Voilà, donc là, il reste encore quelques jours et une semaine. Je voulais tout simplement prévenir les joueurs qui sont là avec moi, les viewers, hein, je parle de vous, les amis. Que si jamais vous voulez faire cette mission communautaire, alors attention, les amis, je vous dis vraiment attention. Soit faites-le en mode solo. Soit venez avec un vaisseau puissant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des joueurs qui sont complètement qui ont complètement la flemme, c'est les gros flemmards, de aller chercher des ressources dans une station spatiale. Et j'appelle ça des flemmards parce que pour moi c'est que des flemmards. Et qu'ils attendent au système solaire. Donc à peine vous arrivez, vous êtes intercepté par un autre joueur. Voilà, c'est simple, c'est clair. Les mecs, ils sont tellement flemmards que voilà, vous arrivez à peine, même pas le temps de faire quoi que ce soit, vous êtes intercepté. Et attention, les mecs, ils vont pas à la main douce, hein. J'étais poursuivi avec un python qui a poursuivi. J'avais mon ASP Explorer. C'était la première fois que je faisais des missions. Je me suis dit bon, ça va aller, ça va se passer. J'en ai fait plusieurs des missions comme ça, et je me suis dit bon, ça va se passer. J'en ai fait plein, j'en ai rencontré plein de joueurs et ça s'est toujours bien passé. Mais il s'avère que le jour que j'ai fait ça, j'avais plus de 72 tonnes de ressources dans mon vaisseau. Et un gros flemmard m'a attaqué. Je parle bien d'un joueur. Comme vous savez, j'aime pas du tout le PVP. Donc j'étais un peu déçu, mais bon, c'est normal, hein. Je veux dire, le mec, il m'a quand même volé 1 million et quelques de crédits. Je parle bien de 1 million de crédits, parce que quand votre vaisseau est détruit, vous repayez votre vaisseau via l'assurance, et il m'a volé 1 million de crédits, plus mes 72 tonnes de ressources qu'il fallait ramener dans cette station spatiale. Ça m'en ramène à... J'ai dû perdre au moins 2 millions sur cette affaire. J'ai dit, bon, ça va, ok, ça arrive, une fois, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc je retente. Deuxième fois, même joueur, exactement le même joueur. Le mec bien là, cassé, il casse bien les couilles, il est bien là. Il attend, bim, il me re-attaque. Ce coup-ci, j'ai voulu riposter, mais un ASP Explorer contre un Python, c'est game over pour moi. Le mec, il m'a one shot, il m'a pété les boucliers en une fois, et il m'a fracassé le vaisseau en deux fois. Je veux dire, il m'a fait une fois, bouclier pété. Deuxième fois, j'étais à 50% de coque. Troisième fois, plus de vaisseau. Donc le gars... Voilà. Et le mec, il a encore récupéré mes ressources. Et là, j'ai encore perdu 3 millions de crédits dessus. Donc voilà, les amis, alors faites très attention. Si vous allez à Prime et que vous voulez faire cette mission communautaire, les amis, faites très très attention. Soit jouer en solo, ou alors arriver avec des Wings. Parce que le mec, il était pas seul. J'étais seul et lui, il était avec un Wings. Attention, il avait un Python et il était en Wings avec quelqu'un d'autre. Le mec sentait à deux contre moi. C'est tout à fait logique. Genre contre un ASP Explorer à la con, quoi. Voilà, c'est les ficelles du jeu que je déteste. Malheureusement. Mais bon. Ça va, c'est pas grave. Voilà, donc je me suis fait intercepter deux fois. Ils m'ont détruit deux fois. Ils sont contents. C'est très bien pour leur life. Donc c'est pour ça, les amis, je mets l'accent dessus. Faites très attention si vous voulez faire de cette mission-là. Et que vous devez aller à Irams. Anchorage, attention, vous avez une fois sorti de l'hyperespace, vous avez 200 CL, 200 CL à parcourir, 200 000 CL à parcourir. Donc c'est un long voyage et pendant tout ce temps-là, vous pouvez être sûr que vous pourrez peut-être avoir un joueur qui vous attaque. Donc faites très attention les amis, soit arrivez avec un gros vaisseau, soit ne la faites pas du tout, soit faites-la en mode solo. C'est tout. N'arrivez pas avec un petit vaisseau. Je vous dis de suite, n'arrivez pas avec un petit vaisseau.
Voilà. Là, je suis passé avec ce vaisseau-là parce que bon, c'est, je veux dire, ce vaisseau-là, je l'ai quand même bien boosté. La coque, elle est pas mal. Il est très agile, donc j'ai pu me défendre et puis sauver ma peu de cargaison. Parce que les mecs, ils s'en foutent. Hein. Même si vous avez 2 tonnes de cargaison, parce que j'ai que 2 tonnes de cargaison. Je veux dire, j'en ai que 4 au maximum, mais j'ai 2 tonnes de cargaison. Même si vous avez que 2 tonnes, les mecs, ils vont vous attaquer. Hein. Je veux dire, pour 2 tonnes, ça veut rien, ça vaut rien du tout. 2 tonnes de cargaison, les mecs vont vous attaquer tout de même. Donc faites très attention, les amis. Voilà. Du coup, les machins sont faits. Voilà, qu'on voit pas. CMD, fin, c'est des joueurs. Hein. C'est des joueurs. Donc, du coup, nous allons. Je vais livrer ça. Donc voilà, c'est la mission. Ce que je vous dis, hein, la mission communautaire. La mission est valable 1 semaine et 1 jour. Donc là, on est mercredi. Demain, ça sera. Ouais, donc du coup, la semaine prochaine, vous aurez. À peu près 5 ou 6 jours pour la faire, la mission, hein. Donc si vous voulez faire la mission, voilà, donc là je suis en E malheureusement, hein, j'ai pas fait plus parce que du coup mon seul vaisseau qui peut transporter le plus de cargaison, bah il passe pas parce que bah, il est trop lourd, maniabilité 0 avec l'aspect explorer et je me fais one shot, donc du coup j'ai pas pu gagner beaucoup d'argent, mais si vous le faites en mode solo privé, vous devez pouvoir gagner pas mal d'argent même en quelques jours, ça va très vite, c'est pas très long. Les stations spatiales, c'est du, vous devez chercher du temps, du ben vous allez le voir, hein. Donc ah ben on est encore en loi martiale, très bien, ça c'est con ça, bon c'est pas grave, je vais les vendre ailleurs, tant pis, mais vous devez avoir du pour faire ces missions, mais là on est en loi martiale, c'est voilà du tantale, voilà comme vous pouvez voir c'est du tantale, vous devez ramener du tantale pour faire la mission. Bon là du coup je vous ai bouffé 10 minutes de vidéo en vous prévenant que si vous faites cette mission, voilà, faites très attention. Sur ce, nous allons décoller. Nous allons aller à, comme j'ai dit, faire les missions de grind. Vous savez ce que ça veut dire le grind, hein? Je veux dire, voilà, vous avez déjà vu les vidéos précédentes. Alors, je m'excuse pour ceux qui voudraient avoir du nouveauté, mais pour moi, côté nouveauté. Voilà, je veux dire, je suis obligé de faire du grind si je veux débloquer d'autres vaisseaux de l'Empire. Donc même si je joue en hors ligne, hein, comme vous pouvez voir, je suis chevalier. Non, là vous pouvez pas le voir. Je suis chevalier à 43%, donc j'ai monté quand même les levels sans vous les amis. Donc je peux pas faire autrement, tout simplement parce que c'est long. Et ça fait déjà quand même pas mal d'épisodes que ça se passe sur du grind. Bon, je sais que voilà, c'est pas génial. Mais en fait, à part du green, on peut faire du RES, la rigueur. Mais c'est pas ça qui va me faire monter les rangs. Donc je m'excuse, amis, pour ceux qui regardent la vidéo. J'espère que vous en lassez pas. Mais j'en mets l'excuse d'avance du fait qu'il y a beaucoup moins de contenu, mis à part du copie-coller par rapport aux épisodes précédents, quoi. C'est carrément ça, quoi. Et je suis désolé par rapport à ça. Donc. On va y aller. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, mais on s'en tape. On va passer. Ok. Donc on va y aller. Alors, je suis arrivé hier pour du temps là, du Tantal. Donc ce que je vous ai dit qu'il faut ramener si vous voulez aller ici. Et c'était toujours en loi martiale, là c'est encore en loi martiale, donc du coup je vais le vendre ailleurs, hein. C'est pas perdu, hein. Je vais pas perdre l'argent, donc voilà. D'accord, maintenant je comprends pourquoi en fait là ça monte pas plus que ça, parce que du coup bah, ça passe pas. Donc voilà. Pour tout ce qui est nouveauté, donc aujourd'hui ça sera l'épisode où on va beaucoup parler je pense, pour ceux qui sont nouveautés. Alors j'ai pas grand chose à vous dire, mis à part que nous sommes en bêta, c'est la bêta de deuxième partie de la bêta. Nouveauté que je peux vous dire. Alors malheureusement moi j'ai pas de bêta. Les seules nouveautés que je peux vous dire, c'est par rapport à d'autres vidéos que j'ai regardées, hein, donc je m'en cache pas. Hein. Ce jeu je le kiffe énormément et j'apprécie particulièrement un youtubeur qui fait ce jeu-là. Et je l'apprécie particulièrement. Parce que bon avec lui
On a plus ou moins des contacts, je veux dire, c'est pas non plus mon meilleur pote, hein, je veux dire, c'est juste en contact comme ça, normal, parce que c'est, on va dire, une communauté, c'est une communauté, hein, tout simplement. Sa chaîne est une communauté de jeux vidéo, une communauté, plus ou moins, c'est plutôt une communauté où on s'entraide, où on s'entraide. Donc, ce qui veut dire que si j'ai des informations qui peuvent l'intéresser, je lui donne. Si j'ai des informations, si je veux avoir des informations, je lui demande. S'il les a, bah, il me répond. C'est une communauté avec plusieurs joueurs et plus ou moins on se répond entre eux, soit dans les commentaires ou tout simplement via au jeu. Donc voilà. Donc ce que je peux vous dire, c'est tout simplement des sources du youtubeur que je suis. Nous aurons la possibilité de tout simplement personnaliser le nom du personnage. Je raconte n'importe quoi. Personnaliser le nom du vaisseau. C'est-à-dire, appeler comme il est là le coursier impérial ship, je pourrais l'appeler. Allez, on va rigoler, hein, mais bon, c'est une référence à Star Trek. C'est pas du tout le vaisseau de ce type-là, parce que c'est quand même très gros vaisseau par rapport à ça. L'Enterprise, voilà, si vous voulez appeler votre vaisseau l'Enterprise, vous pouvez l'appeler l'Enterprise. Si vous voulez appeler l'Orion ou l'Aurore, pour ceux qui sont fans de Stargate, vous pouvez l'appeler l'Orion ou l'Aurore. Si vous voulez appeler le Daedalus ou le Prométhée, tous ces vaisseaux de Stargate, vous pouvez les appeler comme ça. Vous pouvez aussi changer l'identifiant de votre vaisseau. Il faut savoir que mon vaisseau actuellement c'est Number Alpha Kilo, donc ça veut dire c'est N A K, donc c'est le nom de c'est le l'identifiant de mon vaisseau. Donc vous avez pu voir plusieurs fois où il dit le nom de vaisseau Gutamaya Number Alpha Kilo. Voilà, vous pourrez modifier cette application, donc ce nom, le vaisseau. Vous pourrez donc les identifiants, vous pouvez changer. Est-ce que quand vous changez les identifiants du vaisseau, la personne qui est en vocal, donc enregistrée dans le jeu, change le nom de votre vaisseau? Par exemple, si vous voulez si vous appelez, je sais pas, BHA. Donc bravo Charlie Alpha. Si vous appelez là, est-ce que le PNJ donnera le nom de votre identifiant? Là, il donne le nom d'identifiant parce que c'est l'identifiant par défaut du vaisseau. Donc il donne l'identifiant facilement. Après, est-ce que n'importe quelle lettre, ils pourront le dire au fur et à mesure que vous changez l'identifiant? Je ne peux pas vous dire par rapport, je ne sais pas du tout si ça se fait. Je regarde les bêtas. Pour moi, le gars que je suis, pour moi, il a changé l'identifiant de son vaisseau, mais j'ai pas bien entendu si le nom avait vraiment changé par rapport au vaisseau de base. Voilà. Bien sûr, vous avez aussi... Donc, bon, la personnalisation du vaisseau, comme vous en doutez, ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Alors là, je parle beaucoup, les amis. J'espère que ça sera pas trop fort, que vous me comprenez bien ce que je veux dire. Et que le son est net. Parce que vous savez, j'ai des bugs de micro et demain, mon micro se dit, tiens, je vais grésiller. Voilà. J'espère que ça va pas me le faire. Du coup, vous aurez bien sûr la personnalisation de personnages. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez tout simplement changer les habits de votre personnage, changer son apparence, ça veut dire sa tête et tout ça, du personnage. Là, vous avez le tenue basique, en noir avec les lumières bleues. Vous pourrez avoir d'autres couleurs, ça veut dire si vous voulez vous appeler, vous habiller en rouge, en blanc, il y a plusieurs couleurs disponibles. Il faut savoir que ce sont du cosmétique, il y en aura quelques-uns de base qui seront offerts, qui seront compris dans le jeu, hein. Mais il y aura une bonne partie des cosmétiques qui seront payables. Comme par exemple les cosmétiques du vaisseau spatial. Ou alors les cosmétiques qu'il y a dans Black Desert Online, par exemple. Il faut savoir aussi que vous pouvez personnaliser votre personnage. Donc la forme de la tête de votre personnage. Sa coupe de cheveux, sa couleur de cheveux, ainsi que ses yeux et tout ça. Et vous aurez la possibilité de paramétrer votre casque. Soit de garder votre casque tout le temps ouvert, tout le temps fermé ou ouvert. Enfin, ce que je veux dire ouvert par là, c'est que vous pouvez le paramétrer en sorte que le casque se met que quand il y a une urgence dans le vaisseau. C'est-à-dire si par exemple la verrière explose.
par exemple. Vous pouvez avoir le casque qui s'ouvre. Vous aurez deux types de casques disponibles. Vous avez le casque officiel à Elite Dangerous, le casque bien sombre où vous ne voyez pas la tête. Vous aurez aussi un casque transparent, sans teintage, que vous verrez le visage du personnage à travers le casque actif. Il faut savoir que, donc ça sera dans les paramètres, tout ça, vous pourrez le faire dans le jeu sans problème. Voilà, personnalisation du personnage, on est passé. Donc vous pouvez changer la couleur des personnages chats, vous aurez la cosmétique qu'il faudrait que vous achetiez. Pour moi, les personnalisations qu'il y a pour les personnages sont plutôt banales. Enfin, version bêta sont vraiment banales. Quand je veux dire banal par là, c'est quoi? C'est tout simplement, vous avez la couleur noire, la couleur rouge, couleur bleue, blanche. Voilà. Le rouge, il est juste horrible, le rouge. C'est vraiment une costume qui est complètement rouge, mais vraiment pas très belle. La blanche, la raga, elle peut être sympa. J'ai dit quoi, la rouge, la blanche, et la noire. Voilà. Et la grise. La grise ressemble au blanc, en fait. Voilà. Vous pouvez aussi changer les écussons. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas assez de lumière. C'est pas grave, on va aller vers un système solaire, de toute façon on aura de la lumière. Vous avez une écussion de base sur le jeu, donc sur le côté. On le voit un peu là dans l'ombre, je sais pas si vous le verrez. Vous pouvez modifier cette écusson. Vous pouvez avoir l'écusson de l'Empire, l'écusson de la Fédération ou les autres écussons. Voilà. Ces écussons là sont basiques. Première vue, ils seront intégrés directement dans le jeu. Voilà. Par contre, si vous voulez avoir d'autres écussons, il faudra que vous mettez la main dans le portefeuille. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme je vous dis, les cosmétiques vont être payables, plus ou moins. Mais bon, c'est normal. C'est la maintenance du serveur et tout ça. Vous savez très bien que la maintenance du serveur vaut de l'argent. Et nous sommes déjà pas mal contents que ce genre de jeu ne demande pas un abonnement par mois. Voilà, vous voyez la cuisson? Voilà, vous voyez les cuissons là? Bah voilà, vous aurez cette cuisson, vous pourrez modifier cette cuisson. Bon, attends, je vais changer de couleur, de côté. Parce qu'en fait, les cuissons ressortent mieux sur ce bras. Voilà, vous voyez les cuissons? Voilà. Bah ça, vous pourrez le modifier. Après. Donc voilà ce que je dis, donc on est content que le jeu est gratuit une fois acheté. Vous avez tout le contenu gratuit, vous n'avez pas d'abonnement à payer, comme certains jeux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien qu'ils mettent de l'argent. Qui demande de l'argent, tout simplement, quelque part, tout simplement. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On aura bien sûr un nouveau vaisseau disponible, qui sera le Dauphine. Le Dauphine sera tout simplement un vaisseau de transport de passagers, mais de petite taille. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez déjà l'Orca et le Beluga. L'Orca qui est... un vaisseau basique, un bus normal, et vous avez le Beluga qui est tout simplement, on va dire, un bus à deux étages, ou une croisière, pour ceux qui voyagent dans un bateau de croisière, je parle des gros bateaux Mastoc, voilà, le Beluga, c'est ça. Il faut savoir que le Dauphine sera un vaisseau de passagers unique, tout simplement, ça sera l'équivalent d'un taxi, voilà. Sera l'équivalent d'un taxi. Bien sûr, je n'ai pas d'image dessus, je n'ai pas de photo dessus, et puis j'attends de voir vraiment le prix du vaisseau et vraiment si peut-être à 100. Bien sûr, ne vous inquiétez pas les amis, dès qu'il sera disponible, j'essaierai de l'acheter s'il n'est pas trop cher, parce que je voudrais très bien acheter le Beluga, mais le Beluga était trop cher, et pour ce que j'en fais, ça sera pas rentable du tout. Mis à part, il faudra que je fasse beaucoup de missions de transport de passagers, et que j'aille à très très loin, comme 18 000 années-lumière par exemple. Ou alors à 22 000 années-lumière, qui est l'équivalent de Colonia, qui est au centre de la galaxie, comme vous pouvez le savoir. Colonia est tout simplement un endroit très avancé des humains, qui se passe au centre de la galaxie. Donc c'est une station spatiale que vous pourrez trouver à Colonia. Et cette station spatiale, c'est une petite station spatiale, je pense pas que c'est une grosse station spatiale, mais vous pourrez transporter des passagers de là à là, si vous le souhaitez, ou même faire des transports de ligne entre ici ou... entre un point A, un point B, voilà, bien sûr, si vous trouvez les missions adéquates. Il faut savoir que les missions sont complètement aléatoires. Alors, j'espère que ce que je vous dis, vous comprenez très bien. Voilà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je pourrais y répondre si je connais une réponse. Mais n'hésitez pas à les poser quand même, c'est très intéressant d'avoir aussi votre avis au sujet de la prochaine mise à jour du jeu. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Mis à part que...
Le multicrew, voilà, le multicrew tout simplement que beaucoup de gens attendent. Multicrew et tout simplement si vous avez un vaisseau à plusieurs places, vous pourrez avoir d'autres joueurs à bord de votre vaisseau qui augmentera les stats de votre vaisseau spatial. Ça veut dire que tout simplement, là comme vous voyez à côté de moi, attention, ce sont des news que le youtubeur que je suis m'a donné. Et ce que je vous transmets moi de mon côté pour si vous n'avez pas ce youtubeur dans vos listes d'abonnés d'abonnement. C'est des spéculations mais l'avantage du multicrew c'est que tout simplement un personnage tout simplement attendez je regarde là. Ouais c'est bon, un personnage tout simplement dans votre vaisseau si vous avez plusieurs places augmentera les bonus de votre vaisseau. Ce que je veux dire par là c'est que vous voyez là les points sur le côté, vous voyez j'ai 4 points sur les moteurs, 1 sur l'armement, 1 sur le système. Il faut savoir que ces personnages là pourront augmenter d'un point ces systèmes là. Ça veut dire par exemple si j'ai un canonnier, bah, ça m'augmentera, même si j'ai tout dans le moteur, ça augmentera d'un point l'armement. Ça veut dire qu'à la place de 1 point comme j'ai actuellement et que les charges sont lentes, vous pourrez avoir 2 points. 2 points qui augmentera tout simplement les charges. C'est quand je suis en mode attaque, je vous fais montrer, quand je passe en mode attaque avec ce vaisseau là, je suis dans cette configuration. Voilà. Et c'est 2 points partout. Cette configuration augmente grandement la résistance des boucliers, mais la régénération des boucliers et des systèmes secondaires, qui est tout simplement mes IUM ainsi que mes paillettes. Et l'armement, c'est tout simplement mon canon laser pour éviter qu'il surchauffe trop vite. Voilà. Vous avez aussi ben voilà, les moteurs, c'est tout ce qui est, augmente la maniabilité du vaisseau spatial. La vitesse, c'est tout ce bordel. Voilà. Donc ça, c'est ma position de combat. Comme vous pouvez voir sur l'écran, je suis en position de combat. Maintenant, quand je suis en mode position, comme je suis actuellement, je suis en moteur. Tout simplement. Voilà. Donc il faut savoir que ce genre de choses pourront augmenter d'un point votre armement ou d'un point le système. Si vous avez plusieurs personnages, il faut savoir que si vous avez plusieurs personnages dans le vaisseau, attention c'est des spéculations, ce n'est pas sûr à 100%, mais à première vue oui. Parce que sinon à quoi il servirait le multicrew mis à part ça, je vois pas. Après il faut voir ce qu'il a, ce que le personnage a dans votre vaisseau spatial et qu'est-ce qu'il a sur quel système de votre vaisseau il a accès. Parce que bon, c'est tout simple, c'est bien beau d'être à bord d'un vaisseau, mais si vous pouvez rien foutre et que le mec, il est là, à part attendre et être un passager, bah, ça peut être vite ennuyant, qui est tout à fait logique, tout le monde doit jouer. Donc, ils auront, bien sûr, je pense, des possibilités qui augmentera ces stats-là pour le commandant, mais aussi le vaisseau spatial, mais que chacun auront plus ou moins leur place à bord du vaisseau. Voilà, donc voilà ce qui est par rapport au multicrew. Je peux pas vous dire plus par rapport au multicrew. Il faut savoir que pour moi la version bêta 1.1.0 il a un point je sais plus trop quoi, enfin la partie 1, on est toujours en partie 1 de la bêta en test. Il faut savoir que le multicrew n'est pas encore actif. Pourquoi? Parce que ils ont beaucoup Frontière a beaucoup de problèmes avec le multicrew, ça bug, le jeu bug tout simplement. Voilà, il est instable. Donc du coup ils ont retiré ce genre de fonctionnalité, mais vous l'aurez dans la bêta. Les développeurs n'ont pas dit que c'est annulé parce qu'on a trop d'emmerdes, ils vont tout faire pour que ça fonctionne. Mais attendez, le moment que ça sortira, ne vous attendez pas à quelque chose de très 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 génial, parce que ça sera encore les débuts du multicrew et il y aura sûrement sans doute beaucoup de bugs à réparer. Et bien sûr après les bugs, une fois les bugs réparés, ils amélioreront le reste. Voilà. Voilà, je sais pas si vous avez entendu dans les commentaires d'un personnage, il a dit le nom de mon vaisseau spatial, il a dit Gotamaya Alpha Kilo, et donc November Alpha Kilo, et donc ce sont les identifiants du vaisseau spatial comme dans les avions tout simplement. Hein. Voilà, c'est comme ça que les surveillants qui sont dans les tours de contrôle, c'est comme ça qu'ils vous appellent, c'est les tout simplement les identifiants du vaisseau spatial qu'ils ont apparaît sur leur écran radar tout simplement. Donc après est-ce qu'on aura la possibilité de faire ça, je sais pas, je pense que oui, ça pourrait être intéressant. Enfin après c'est des petits trucs mais ça peut être marrant. Alors, les identifiants que vous mettez ils vont vous dire sans identifiant que vous avez, ils vont vous changer. Voilà.
Il faut savoir qu'on n'a pas tous le même identifiant. Ah, c'est pas le bon. Pourquoi? Je me suis dû être trompé, j'ai peut-être allé trop loin. C'est ça? Je suis allé trop loin. 44. Ah oui, je suis allé trop loin, c'est celui-là. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Oui, donc du coup. Voilà, ça serait vraiment assez sympa. Ce que je disais, c'est que oui, on n'a pas tous les mêmes identifiants dans le jeu, hein. Je veux dire, par rapport à celui que je suis, son vaisseau, c'est pas Nova Alpha Kilo, c'est Alpha quelque chose. J'ai reconnu le premier mot Alpha, après les autres, je sais pas, mais c'est pas le même identifiant que mon vaisseau spatial. Donc du coup ça sera plutôt une vidéo courte. Je pense que je vais arrêter ici parce que 4 minutes, il reste 4 minutes de vidéo, mais le temps que je choisis l'émission et que je fasse la transition, ça risque d'être trop long. Donc cet épisode, c'est plutôt un épisode où je parle pour vous dire les news qu'il y a par rapport à ça, et surtout vous avertir aux joueurs qui sont dans mes abonnés qui jouent au jeu. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui jouent parce que j'avais reçu des messages comme quoi j'étais trompé quelque part. Le super le il on m'a dit enfin il m'a dit que non, ce que tu dis, c'est rien du tout. Je veux dire, il n'y a pas de warp, c'est le super cruise. Voilà, donc c'est que le gars il joue au jeu. Donc voilà, moi j'appelle ça le warp et l'hyperespace après. Bon, après on va pas revenir sur ce sujet-là. D'ailleurs, merci à ce gars qui a commenté, hein, s'il est encore là et qui regarde les vidéos. Du coup, moi je vais récupérer mes missions. Je vais faire en hors cam pour préparer, pour essayer de faire quelque chose de, bah, pour après, pour le prochain épisode, pourquoi pas faire quelque chose un peu plus unique. Enfin, un peu plus unique, un peu plus différent, avec l'arrivée du nouveau vaisseau par exemple, ce qui m'étonnerait vu que j'ai encore 2 rangs à monter, mais bon. Voilà, alors j'espère que les informations vous seraient utiles, tout simplement. Voilà, donc attention, ce sont des spéculations, je suis pas assuré à 100%, mais vous les prenez, voilà ce que je vous dis, vous les prenez, comment dire, voilà, vous les prenez comme vous voulez, ce sont des spéculations, voilà. Voilà. Mais dans ce que je dis, il y a aussi un peu du vrai, parce que bon, j'ai vu quand même des bêtas par rapport à certaines choses. Donc voilà. Donc là, je voulais vous faire montrer mon petit logo de l'Empire que j'ai là. Alors oui, ce petit logo là, ce sont, comme ceux qui connaissent, ce sont des logos que vous pouvez avoir tout simplement. Donc encore les informations, hein, donc je vais le dire rapidement. Mais ces logos-là, c'est ce que vous avez en faisant les missions de super puissance, tout simplement. Mais vous avez la possibilité de les avoir gratuitement en allant sur le store du jeu. Et je les ai pris parce qu'ils sont à 0€, hein. Donc c'est l'un des rares choses qui sont à 0€. Donc si vous les souhaitez, vous allez sur le store du jeu. Donc tout simplement, vous allez sur votre launcher et vous allez sur la boutique qui est à côté. Si vous avez une boutique à côté où ils font montrer les pistolets laser et tout ça, que vous pourriez changer la couleur de ça, voilà. Ce qui va vous ouvrir un site internet. Et à partir de là, vous devrez créer votre compte. Ou l'associer, tout simplement. Vous l'associez, vous créez votre compte là-bas. Et une fois ça fait, vous allez dans le magasin. Et vous allez tout simplement dans les personnalisations. Et vous trouverez dans les personnalisations, ce sont les stickers. Et vous avez ces stickers là qui sont gratuits. Donc vous en avez quelques-uns. Vous avez tous les stickers de l'Empire. Donc de certains membres de la puissance. Je vais vous faire montrer, hein, d'ailleurs. Parce qu'on a un peu le temps, on a un peu de rap, je veux dire. Donc autant continuer là-dessus. Des informations. Que je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent les connaître déjà, hein, qu'ils ont déjà fait. Hein, attention. Mais bon, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ne le savent pas. C'est possible aussi. Hein, voilà, moi je suis là. Voilà, je fais. Voilà, je fais pour tout le monde. Oui, donc vous allez sur Galnet, non, là je fais n'importe quoi. Donc oui, vous allez sur Puissance Galactique. Voilà. Là, ça va vous sortir tout le reste. Donc là, vous avez les cycles et tout ça. Et voilà, vous avez là les super puissances. Donc là, vous avez, voilà, l'Alliance. Vous aurez ce logo de l'Alliance si vous mettez ça. L'Empire, il faut savoir que elle...
Elle, tout simplement, c'est la chef, la haut chef de l'Empire, plus ou moins, comme vous pouvez voir. Il y a l'Empire, avec le petit truc là. Et vous avez aussi la petite couronne. Voilà. Bon, moi j'ai pris celui-ci qui est là. Avec les petites flèches, j'ai trouvé sympa. Je lui dis, alors, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc voilà. Vous avez aussi ce logo là. Donc de la fille, de la mère de elle. Elle c'est la fille, elle c'est la mère. Vous pourrez avoir son logo. Vous avez aussi le logo de lui, hein. Donc avec le petit logo là. Vous avez aussi sur la fédération. Sur la fédération, les petites ailes. Parce que lui, vous savez, lui c'est un colonel de la des forces militaires. Donc vous avez ce petit logo de forme militaire. Et là, vous avez tout simplement le logo de la fédération basique. Vous avez aussi le logo de lui, hein, avec le petit oiseau de l'Empire et la petite flèche. Vous avez aussi l'indépendant, donc lui, avec les petits vaisseaux, hein, avec un deux Sinwinder à côté, point de vue, et un petit Eagle. Et vous avez aussi celui-là, la petite étoile de l'indépendant aussi, hein, la petite étoile. Et vous avez aussi lui. Vous avez aussi le petit la petite araignée. Donc ce petit indépendant, c'est tout simplement les pirates. Hein. Vous avez aussi les pirates. Donc voilà, ouais, vous voyez, il est basé sur la combat lui aussi. Donc voilà. Donc voilà. Et vous avez donc je vous disais force militaire. Pourquoi? Parce que c'est tous ces trucs sont sur le combat. Voilà. Lui c'est que le combat. C'est voilà. Là je pense qu'on doit pouvoir voir son aperçu. On n'a pas sa biographie. C'est dommage. Non, on n'a pas la biographie. Si, là. Voilà. Non. Non, vous avez pas sa biographie. C'est dommage, hein. J'aurais bien aimé avoir. Ah voilà. Ouais, non, c'est vous avez pas le. Vous avez pas la biographie du gars. Oh, vous avez juste sa petite biographie qui est là, le nom, son quartier général, l'année de naissance et l'allégeance, mais vous n'avez pas non plus. C'est dommage parce qu'il n'y a pas. Donc voilà, vous pouvez avoir tous ces logos là. Tous les logos là, vous pouvez les avoir dans le magasin. Ou tout simplement, si vous jouez des super puissances, vous pouvez les avoir via au jeu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont gratuits, hein, parce que bon, vous pouvez les avoir via au jeu. Hein, c'est pas des peintures que vous devez acheter obligatoirement, parce que vous n'avez pas. Oula, qu'est-ce que j'ai? Ok. Ok, j'espère que ça va pas trop bousiller ma vidéo à la fin. Mais j'ai eu un petit RAM bizarre d'ailleurs. Je pense que ça va venir du réseau. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes. Donc là, ça sera un épisode d'aperçu. Donc on est déjà en retard de 2 minutes. Mais bon. Ça sera tout simplement un épisode d'aperçu. Non, c'est plutôt un épisode d'information. Hein, donc voilà. Ça sera un épisode d'information par rapport au prochain expansion. Prochaine mise à jour du jeu. Avec le multi-crew et le fait de personnaliser son personnage ainsi que le vaisseau spatial, le nom du vaisseau mais aussi son identifiant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes sur Elite Dangerous. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, je l'ai dit déjà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Hein, si vous avez des questions, si vous avez tout simplement un avis à me dire ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus tant que ça reste constructible et que c'est pas complètement débile, il n'y a vraiment aucun problème. Enfin moi voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, donc n'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et puis ça aiderait beaucoup aussi. Voilà. De vous abonner à ma chaîne si cela n'a pas été fait, bah, ça me fera très plaisir si vous abonnez. Et puis je vous dis tout simplement bienvenue aux nouveaux arrivants. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et je vous dis merci. Allez, bye tout le monde.